Les sons étranges et féeriques qu'ils émettent sont perceptibles de très loin et ne semblent provenir de nulle part. Combien les premiers navigateurs ont-ils attribué de légendes et de mythes à ces chants de sirènes qu'ils entendaient sans rien voir ? C'est une pièce qui est très symbolique, qui porte beaucoup d'amour et de haine en même temps. Et c'est vraiment époustouflant et c'est très difficile de lâcher la pièce. Et vraiment, moi, je suis très émue après. Vous connaissiez, par exemple, le film Moby Dick ? Vous connaissez l'histoire ? Je connais l'histoire et je pense que c'est une très belle interprétation de cette histoire. Et ça personnifie vraiment tous ces personnages, ça leur donne vraiment une essence. Et c'est vraiment magnifique. Bonjour, jeune homme. T'es à quel âge, toi ? 11 ans. 11 ans. Et t'as bien suivi la pièce ? T'as tout compris ? Oui, à peu près. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire du spectacle Moby Dick ? C'est un capitaine qui veut retrouver la baleine qui lui a arraché la jambe. Et toi, ça te fait beaucoup rigoler, on dirait ? C'est parce que c'est lui. Est-ce que tu as aimé le spectacle, toi ? Oui, j'ai bien aimé, c'était drôle. Drôle, mais pourtant l'histoire, elle n'est pas très marrante quand même. C'était bien joué, quoi. J'ai bien aimé, ouais. À la fin, quand même, c'était bizarre, parce qu'il voulait en même temps se venger, mais en même temps, il l'aimait bien, la baleine. Moi, j'ai pas compris la fin. Toi, t'as compris ? Non. Ah, moi j'ai bien aimé, vraiment, un beau spectacle, je suis bien contente d'être venue, ça m'a bien plu. Très beau décor, oui, j'ai bien aimé le mélange film et théâtre. Je recommande ce spectacle. On est un peu novice, donc là on peut pas bien... Novice, c'est-à-dire bon, par rapport au théâtre, quoi, oui. On vient rarement, donc mais on a bien aimé.